Giroud arrive à la tête du Haut-Commissariat. Et à ce moment-là, au titre des. Les accords Giroud-Murphy rentrent en jeu. Mais alors là, De Gaulle est emmerdé, il dit merde, je me suis débarrassé de Daran et maintenant il y a Giroud à la Il y a tête du Giroud aussi. Haut-Commissariat. Zut, que faire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc Giroud, à ce moment-là, s'entend pas trop mal avec les Américains. Et qu'au mois de janvier, du 14 janvier 1943, sont signés avec Roosevelt les accords d'Anfa. Au titre de ces accords d'Anfa, la France a appelé officiellement les États-Unis pour venir l'aider. On s'engage à rétablir l'intégrité du territoire français. La France est alliée des États-Unis. Et Giraud officiellement, et je cite, est le représentant officiel des intérêts de la France. Donc ça, c'est les accords d'Anfa. Donc ça consacre l'autorité de Giraud. Et là, De Gaulle et Churchill sont emmerdés. Ils sont emmerdés, puisque là, De Gaulle est complètement marginalisé. Que va-t-il se passer? Churchill va mettre la pression sur les Américains pour changer les accords d'Anfa. Et ça, c'est Monsieur Lemaigre Dubreuil qui nous l'explique très bien dans ce bouquin-là, et aussi Kenneth Pindare dans Le dilemme France-États-Unis nous l'explique très bien. Donc, pardon. Donc, Churchill va mettre la pression pour changer les accords d'Anfa, et De Gaulle, que dis-je, Giraud ne sera plus le défenseur des intérêts de la France, mais il ne sera plus que le gérant des intérêts de la France en Afrique du Nord. Ça change absolument tout. Et ça change le fait que la France, à ce moment-là, perd l'autorité. Comment vous dire? La France va être exclue des réunions interalliées, puisqu'elle n'a plus de représentants officiels pour défendre ses intérêts. Donc si nous avons été exclus de 43-45 des conférences de Téhéran, Potsdam et Potsdam, Yalta, etc. c'est à cause de Gaulle et Churchill. D'accord. Alors parce qu'on nous a toujours dit, c'est parce que Roosevelt, il n'aimait pas De Gaulle. Il Non. disait, bon, bah, de ce Français-là, C'est parce que les Français ne méritent pas d'être à notre c'est table. parce que le siège qui avait été fait pour Giraud et donc pour la France a été détruit par Churchill et par De Gaulle. De Gaulle aime la France, il l'a défendue, mais avant de défendre la France, il défendait De Gaulle. Et pour défendre De Gaulle, il fallait rabaisser la France et il acceptait le rabaissement de la France. Donc si la France a été absente des réunions interalliées, c'est parce que De Gaulle a saboté les accords d'Anfa. Et les Américains étaient ravis. Ils étaient ravis. Puisque on vous donne une part du gâteau, vous la refusez. Oui, c'est un peu ça. Pas de problème, les Américains. On va reprendre. Ben, bien sûr. Donc, voilà. Donc, Giraud, d'ailleurs, qui a été très naïf, a validé hein, ça. Il a pas compris hein, la portée de son acte quand il a validé cette modification des accords d'Anfa. Mais le sabordage des accords d'Anfa, c'est absolument capital pour comprendre le rôle nocif joué par De Gaulle, pour comprendre que De Gaulle a rabaissé les intérêts de la France en 1943 en l'empêchant de figurer aux côtés des alliés dans les réunions interalliées. Louis Rougier, ce fameux Louis Rougier qui a fait les accords avec Churchill dans La France jacobine, explique très bien aussi la façon dont les accords d'Anfa ont été sabotés. Je précise aussi que les accords d'Anfa prévoyait le réarmement de la France, des armées françaises. De Gaulle, plus tard, n'a jamais, entre guillemets, réactivé ces accords. Il n'a pas voulu refaire l'armée française, parce qu'il pensait que l'armée française serait un rival pour son accession, une rivale, pardon, pour son accession au pouvoir. Ça se paye dans l'au-delà, ça, je pense, hein. Donc ensuite, nous sommes au mois de février 43. Un conseiller de Giraud va lui conseiller, pardon pour la répétition, de se rallier à la thèse gaulliste. Et Giraud va rompre avec Vichy à ce moment-là, en mars 43, par une déclaration dans laquelle il dit que le peuple français n'est plus libre depuis le 23 juin 1940, etc. Et De Gaulle, je cite, dit que Giraud a fait un progrès dans sa doctrine. Je vous dis pas encore le nom de ce conseiller, parce qu'on va le revoir plus tard. Giraud est un peu naïf, mais c'est un homme de bonne foi, et il va essayer de se rallier à De Gaulle. Et donc, Giraud et De Gaulle vont trouver un accord pour former le Comité français de la libération nationale, dans lequel il y aurait trois voix pour Giraud, trois voix pour De Gaulle. Donc, c'est Giraud, son fameux conseiller, plus une autre personne, et c'est De Gaulle, plus deux autres personnes, trois contre trois. Nous sommes au mois de juin 1943. Première réunion du Comité de libération nationale. De Gaulle s'énerve. Il dit, c'est scandaleux, je veux qu'un tel. J'ai oublié son nom, ce que je l'ai. Il dit que je veux qu'un tel, qui est un de mes hommes, intègre le comité de libération nationale, ce qui lui permettrait d'avoir la majorité.
Giraud dit, ah non, mais attendez, on s'est mis d'accord, ça fait des mois qu'on négocie, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'on a la risée du monde parce qu'on se fait la guerre entre nous alors qu'on est censé être ensemble. Non, c'est pas possible. Donc on va mettre cette décision au vote. 3 contre 3, normalement, on doit s'annuler. Seulement, le fameux conseiller de Giraud va voter en faveur de l'entrée du gaulliste supplémentaire. Giraud va être trahi par un de ses conseillers. Est-ce que je suis clair là? Ouais, ouais, ouais. Et donc, le conseil va rentrer, et De Gaulle, à ce moment-là, va prendre la majorité, et va devenir le chef de la France combattante. Qui est cette personne qui a trahi Giraud pour De Gaulle, en votant pour De Gaulle? Qui est cette personne? Tu la connais, hein? Ah, c'est quelqu'un qu'on revoit après. Tu la connais. C'est quelqu'un qu'on revoit après, c'est le moins qu'on puisse dire. Méga quiz. Qui est la personne qui a permis à De Gaulle qui a trahi Giraud et qui lui a permis de prendre la majorité au Comité de Libération Nationale? C'est pas Chabandier de Masse. Pas du tout. C'est un des plus grands traîtres de l'histoire de France. Un des plus grands traîtres de l'histoire de France. Un apatride. Ah, apatride. Jean Monnet. Jean Monnet. C'est Jean Monnet. Charles de Gaulle doit sa carrière, entre guillemets, à Jean Monnet. C'est grâce à la trahison de Jean Monnet que De Gaulle prend le pouvoir, prend la majorité des voix au Comité de Libération. Et De Gaulle, petit à petit, va pouvoir marginaliser Giraud. Mais il fait pas... Alors, s'il fait ça avec Jean Monnet, c'est pas pour faire un deal pour après la guerre, se dire avec les Américains, parce qu'il était question de faire un gouvernement provisoire avec Jean Monnet après la guerre, et que Jean Monnet devait être même président du Conseil ou quelque chose comme ça. Alors ça, je n'étais pas au courant que Monnet devait être président du Conseil. En tout cas... Enfin, qu'il avait un plan B avec les Américains. En tout cas, Monnet... Ça confirme. Monnet... Enfin, De Gaulle, le tout à Monnet, hein. Ça c'est clair et net, hein. C'est grâce à Jean Monnet que De Gaulle a pu marginaliser Giraud. Pendant toute cette année 1943, on n'en parle jamais, il y a la campagne de Tunisie, pendant laquelle l'armée française combat donc aux côtés donc, des alliés, l'armée de Rommel. Et l'armée française va laver en partie, l'affront en partie seulement, de 1940. Et cette armée, je le répète, hein, je m'attraque, faite par Végan à la demande de Pétain, relancée dans la guerre par l'amiral Darlan, avec l'approbation par télégramme secret, sur idée de l'amiral au fond, par le maréchal Pétain. Voilà. Donc Giraud, qui est à la tête de cette armée, va être marginalisé progressivement. De Gaulle va lui demander de quitter le Comité de Libération, parce qu'on ne peut pas, soi-disant, officiellement être à la fois civil et militaire. Mais oh, c'est lui, ça ne l'a pas, pas dérangé pour son cas. Oui, oui. Enfin, on peut pas à la fois avoir le pouvoir, pardon, on peut pas avoir le pouvoir. On peut pas avoir le pouvoir politique et militaire à la fois, donc vous partez. Et ensuite, en avril 1944, il destitue Giraud, en lui disant, je vous donne tel autre poste, un poste complètement bidon, mais il le retire du commandement suprême de l'armée. Pourquoi? Parce que De Gaulle ne veut pas qu'au débarquement, il y ait une figure capable de rivaliser avec lui. Parce que, bien évidemment, dans une telle situation, le Giraud aurait acquis un prestige énorme. L'armée française qui débarque le 6 juin, ça ouille la gueule quand même. Hein. Et De Gaulle, qui n'est pas une contradiction près, il dit, bon, bah, puisque c'est plus vous le chef de l'armée, eh ben c'est moi. C'est moi. Eh ben voyez, c'est beau la vie. Hein. C'est beau la vie. Hein. Et à peu près un mois avant le débarquement, le Comité de Libération va se muter en gouvernement provisoire, sachant que De Gaulle s'était engagé à respecter ce qu'on appelait la loi, je crois, Trévenac, en vertu de laquelle, en fait, si vous voulez, enfin si tu veux, on se tutoie, les conseils municipaux, en fait, devaient élire des individus. Une assemblée qui elle-même élirait des individus pour le gouvernement provisoire. De Gaulle avait dit, je respecterai cette loi qui était votée sous la Troisième République, et ça. En fait, tu parles, il la met à la poubelle, le gouvernement, c'est moi. Et il faut attendre le mois d'août 44 pour que, le 23 août 44, pour que ce gouvernement soit reconnu comme le gouvernement de la France. Et pourquoi il est reconnu? Parce qu'à ce moment-là, Pétain et Laval ont été enlevés par les Allemands, et qu'il y a un vide légal. Et là, j'aimerais raconter une chose que les gens ne savent peu. C'est que Laval avait récupéré le président de l'Assemblée nationale, Herriot, pour faire un gouvernement à Laval-Herriot, à l'arrivée des Américains. Le problème, c'est que la Gestapo était contre, et donc ils ont été dénoncés à la Gestapo par deux personnes, Marcel Déa et Debrinon. Et donc, à cause de ça, il y a eu un vide légal, et Vichy a disparu parce qu'il y avait un vide légal, et De Gaulle s'est engouffré dans ce vide. Et dans ce vide, en fait, il y a une course entre De Gaulle et les communistes pour savoir qui arriverait à s'imposer, et c'est De Gaulle qui a gagné cette course. Néanmoins, il était resté les mains dans la main
avec les communistes. J'aimerais vous lire, pardon, j'ai oublié de vous la lire, une lettre, faut que je retrouve le truc, une lettre de Ribbentrop à Pétain. Une lettre que, parce qu'en fait, si vous voulez, De Gaulle, le 3 novembre 43, va créer une assemblée consultative. En gros, c'est vraiment... On y met un parlementarisme. Alors qu'en fait, les membres de cette assemblée n'ont bien évidemment pas été élus, ils sont simplement nommés. Donc c'est vraiment, vraiment pour mimer le truc, quoi. Et Pétain, pour, entre guillemets, contrer ça et assurer sa légitimité, va tenter un nouveau, entre guillemets, 13 décembre. Il va tenter d'éjecter Laval et il va faire un acte constitutionnel dans lequel il est dit que s'il venait à mourir, le pouvoir constituant reviendrait à l'Assemblée nationale. Et donc les Allemands considèrent que c'est une façon de restaurer l'Assemblée. Et voici la lettre que Ribbentrop écrit à Pétain. Enfin, un extrait. « Si l'on jette un regard sur les trois dernières années des rapports franco-allemands, il reste incontestable que les mesures que vous avez prises en votre qualité de chef de l'État ont eu malheureusement trop souvent le résultat de rendre plus difficile la collaboration qui pourtant était poursuivie par le gouvernement français. Cette lutte constante contre tout travail positif a eu pour conséquence de rendre impossible par votre résistance permanente la nomination aux postes les plus importants du gouvernement français et de l'administration, des hommes dont l'attitude loyale aurait assuré l'exécution d'une politique raisonnable de consolidation intérieure de la France. Pour toutes ces raisons, vous ne serez pas surpris, monsieur le maréchal, si le gouvernement du Reich observe votre activité avec une réserve toujours croissante. » C'est-à-dire que, en fait, les nazis sont en train de dire « Vous êtes trop résistant, ça fait 3 ans que vous nous faites chier parce que vous avez tout fait pour nous sabonner la planche. » C'est bien résumé. C'est bien résumé. Je précise qu'après cette crise, les Allemands ont imposé un remaniement au gouvernement et que là, ils ont imposé l'entrée de purs collabos au gouvernement, comme par exemple, comment s'appelle-t-il, Henriot. Henriot et Darnand. C'est vrai que le cas Darnand est compliqué parce que Darnand a failli rentrer dans la résistance. Et eh oui, mais voilà, il y a plein de trucs dont j'ai pas pu parler ce soir. J'ai pas pu parler du service de travail obligatoire, j'ai pas pu parler du cas Laval, j'ai pas pu parler de la milice. Il y a plein de trucs, il y a tellement à dire. Mais voilà, donc. Et donc De Gaulle, parce qu'en fait finalement, c'est ce qui est en train de arriver, parce que je comprends que ça veut dire qu'en fait il a fait un coup d'État quelque part, c'est ça. Non, il a fait un coup d'État. Il a fait un coup d'État et en plus il s'accapare des lauriers qui ne sont pas à lui finalement. Exactement. Il reprend le commandement d'une armée qu'il n'a pas créée. En fait la résistance a été initiée par un Pétain et en fait on a De Gaulle qui arrive, qui ramasse les marrons du feu. Dire qu'elle est initiée par Pétain, non. Disons non, que Pétain a soutenu. Voilà, il a soutenu la résistance, mais De Gaulle n'a initié aucun grand mouvement. Pétain a soutenu certains mouvements de résistance. Il en a combattu d'autres, il faut le dire, hein, qui n'avait de résistant que le nom. Pétain avait une diplomatie de combat contre l'Axe qui lui a permis de jeter l'Axe contre la Russie. Pétain a remis en place une armée capable de combattre contre les Boches, qui est repartie au combat. Je ne cesse de me répéter, mais ça fait les mains de non, mais il faut marteler pour que ça arrive dans la crâne des gens. Voilà, donc De Gaulle, en fait, effectivement, est un pur usurpateur. Et je n'ai pas rapporté là le livre de Henri Kirillis qui s'appelle De Gaulle dictateur, mais il a une citation où il résume parfaitement la situation. Sachant que Kirillis a déchanté sur les cas de De Gaulle alors qu'il était initialement gaulliste. Pourquoi? Parce qu'en 1943, quand l'armée française repart au combat, Kirillis se dit bah De Gaulle, il est général. Donc il va demander un commandement. Et il va les battre. De Gaulle ne l'a jamais fait. De Gaulle n'a joué aucun rôle militaire. C'est un politique, en fait. C'est un politique. C'était un politique déguisé en militaire. D'ailleurs, De Gaulle n'aimait pas l'armée, hein, en vérité. Mais le principal crime du général De Gaulle, j'en ai pas encore parlé.